Allez, salut à tous, bande de petites truffes et de mousse. Vous êtes tout mou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tout mou? Eh ben, en fait, rien, je dis des conneries comme d'habitude. Regardez ce magnifique Shader Pack. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que tu as une si bonne qualité de tout simplement une si bonne qualité d'affichage tout mou? Ben, en fait, c'est juste que c'est Cuba. Donc, je vous le montre. Hop, voilà. 35, c'est Cuba. Tout simplement Cuba. C'est un pack de... C'est un shader pack. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que c'est. C'est Cuba Shaders 6.5.26. Et je suis en ultra. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait pour Cuba? Eh bien, vous avez de l'eau magnifique, c'est super beau, c'est impressionnant. L'eau est vraiment impressionnante, vous regardez comme c'est ultra impressionnant la qualité d'eau. Et c'est vraiment un des points forts de Cuba, c'est vraiment l'eau. L'eau est vraiment de toute beauté. Alors, je suis à 40 fps habituellement, vu que je filme, je perds un peu de puissance, mais c'est normal. Hein. Donc, le truc encore... Mais sinon, ça reste quand même fluide, hein. Regardez, je reste quand même à 35 fps. Normalement, habituellement, je serais à 40, c'est tout. J'ai plus perdu 5 FPS parce que je filme ou un truc comme ça. En tout cas, comme vous voyez, et encore, c'est pas sûr, hein, c'est juste peut-être moi qui... C'est juste ça, peut-être mal chargé. Mais bon, peu importe. Comme vous voyez, c'est magnifique. Parce que j'ai fait une autre vidéo aussi où je me filmais qui va pas être sûr d'être publié. Donc, je pense juste vous montrer celle-là ou je ne montre pas. Donc, du coup, comme vous voyez, c'est magnifique. De toute beauté. Il n'y a rien à dire, hein. Regardez cette eau de tout mousse-mousseté avec des magnifiques goûts coquinous. Alors, nous avons du coup, on va aller vite voir là-bas. Je vais vous montrer la deuxième chose qui est vraiment classe, c'est tout simplement déjà les effets de lumière. Quand on voit les effets de lumière, c'est assez impressionnant et assez cool. Vous avez aussi un effet de blur au loin, comme vous voyez, vous avez un effet flou qui rend au loin. Et ça, c'est magnifique. J'ai bien aussi moyen de mettre du flou en premier plan. Comme vous voyez, là, on a carrément du flou en premier plan. Hein. Donc, je peux faire des espèces de photos assez stylées comme ça, en mode... Pour que je prends une photo, c'est trop soif de la mort qui tue. Et du coup, voilà quoi. Peut-être éventuellement pour la miniature, je sais pas. Donc, ça, c'est classe. Regardez-moi comme c'est beau ici avec l'effet de... Pareil ici, je peux très bien me dire, ah c'est joli, ben, du coup je peux me mettre en comme ça et faire une sorte de photo ainsi. Attendez, hop. Et je peux décider le niveau de flou aussi. Du coup j'ai juste à faire une photo comme ça et hop. Voilà, par exemple comme ça. Et j'en ai pris une parce que comme ça je sais quoi mettre en fond. Donc voilà, c'est assez beau. Et alors, du coup, pour terminer, vu que je ne vais pas non plus traîner, ici, je cherche après la glace pour vous montrer où elle est là-bas. Donc, on va aller très, très vite. Donc, je vais prendre plutôt celle-là qui est ici. Donc, la glace, ce que ça donne, donc, c'est impressionnant. Comme vous voyez, c'est vraiment ultra impressionnant. Les effets de reflet de la glace, mais waouh, quoi, c'est bluffant. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, quoi. C'est de toute beauté. Donc, ouais, il y a de quoi faire avec ces shaders. Hein, donc, voilà, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Comme vous voyez, c'est assez fluide. Hein, c'est assez constant. De la fluidité et pas dégueulasse. Et même très correct. Et du coup, voilà, quoi. C'est assez agréable à manivrer. Tout ça. J'ai une bonne fluidité, surtout que j'ai plus d'FPS quand je ne filme pas. Ce qui est tout à fait normal. Donc comme vous voyez, ça donne assez bien. On peut même mettre en... Putain, désolé pour le micro. En slash day. Voilà, pour avoir un inversé. Il faut juste un peu attendre. Parce que du coup, il faut attendre que le truc charge. On va attendre que le soleil arrive pour terminer là. Allez, soleil, bouge-toi. Waouh, regardez-moi comme ça, comme c'est beau.
C'est magnifique, c'est de toute beauté. Et du coup, ben voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble quand on est en plein lever du soleil. Comme vous voyez, c'est assez classe. C'est assez beau. Et c'est, il n'y a rien à dire, c'est des shaders qui sont de toute beauté. Donc comme ça, ben, on termine sur ça. On va aller vite sur la banquise pour vous montrer que c'est magnifique avec cette eau. Et regardez de loin déjà, ça donne quoi? En hauteur, hein. Voilà ce que ça donne en hauteur quand on ne bouge pas et quand on filme l'eau. Il y a un bon effet de lumière, hein. Comme vous voyez, c'est assez magnifique. C'est bien géré, c'est beau, c'est de toute beauté. Et du coup, comme vous voyez, ça fait presque RTX. J'ai dit presque, hein, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je sais, Google serait capable de dire, mais c'est pas du RTX. Je sais, silence, petit Wouvorton. Du coup, voilà, c'est trop beau. Quand vous voyez ça, c'est juste de toute beauté. Hein, et du coup, si vous voulez faire des beaux photos, c'est très bien. C'est fait de mousse. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo que j'espère qu'il vous a plu. Et comme vous voyez, c'est assez impressionnant parce que cette glace, je rappelle, elle reflète bel et bien. Regardez, si je mets une glace là, elle va apparaître dans le truc. Bon, peut-être pas la glace en elle-même. Peut-être que c'est un peu con ce que j'ai fait là. Voilà. Voilà, là, je mets un mur. Regardez, voilà. Le mur, lui, il va apparaître. Hein. Voilà. Regardez, le mur apparaît bel et bien. Bel et bien comme prévu. C'est assez bluffant. C'est cool. Et ça fonctionne. Le mur apparaît correctement. Donc, voilà. Pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau shaders. C'est de toute beauté. Je vous dis à bientôt, bande de petites trucs, pas de mousse, et je vous dis ciao ciao et portez-vous bien. Comme vous voyez, ce qui est bien, c'est que il fait un truc qui est vraiment stylé, et de pas avoir de machin dans la main. Hop, voilà. Oui, je suis un pollueur. C'est que le machin me fait carrément de la floutrance, mais ça veut rien dire. Et du coup, c'est stylé. J'ai un fond qui fait que c'est ultra quali et c'est vraiment assez bluffant. Ça peut être pratique pour des vidéos, ça, par exemple, en mode reculon comme ça, c'est rigolo de faire du mode reculon en parlant. Donc voilà, vous voyez que ça donne bien. Donc si je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis ciao ciao bande de truc. Portez-vous bien et mettez-vous en partenariat avec de la magnifique mousse. Ah ou ciao. De toute truffe.